Bonjour tout le monde. Euh, comme on le dit chez nous, euh, l'oiseau ne peut pas sauter sans demander la permission à la branche sur laquelle il assise. C'est pour cela que je demande à, humblement la permission à mon doyen, le professeur Mandicade euh, pour prendre la parole ici. Et tout d'abord, euh, euh, au nom du ministère de la Santé et des collègues qui Ma compagne, remercier euh, le pays, le Tchad, pour laquelle est chaleureux, mais aussi euh, les organisateurs de ce atelier, parce que nous, en venant à ce atelier, on pensait qu'on venait ici pour euh, voir euh, comment est-ce que le Tchad organise euh, sur l'intégration des, des deux vaccins dans son système de vaccination. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons compris que nous avions, c'était un forum et qui concernait nous tous et, et au cours duquel nous tous, nous avions euh, à apprendre et aussi à reconstituer notre plan d'introduction. Nous avons beaucoup appris ici et nous partons d'ici avec beaucoup d'espoir euh, parce que le but de tout ce système de santé est d'améliorer le bien-être. Mais aussi de réduire la mortalité et la morbidité. Et nous avons vu avec les résultats des modélisations qui ont été faites et pour la Guinée que nous pouvons euh, euh, éviter euh, la maladie à plus de 500 000 de nos compatriotes à l'échelle de 2030 et aussi éviter certaines dépenses euh, de, de santé et qui peuvent être estimés à 10% de l'ensemble des coûts qui pourraient être investis dans, dans le traitement de ces enfants. Donc, euh, je pense que euh, ça vaut la peine que nous puissions euh, aller dans le sens. Nous sommes d'autant plus heureux que nous avons nos partenaires ici. Tous nos partenaires qui nous accompagnent sont ici. L'OMS est là, l'UNICEF est là, mais surtout la Fondation Bill et Melinda Gates, donc, qui nous accompagnent, et aussi la Banque mondiale. Donc, les, les, les discussions ont été tenues avec eux. Nos problèmes sont maintenant connus. Et je pense que euh, eux, ces partenaires et nous allons tous nous engager alors pour que nous puissions aller vite. Et c'est vrai qu'on a l'intention d'aller vite, mais nous avons appris ici dans ce forum que même si vous voulez aller vite, le réalisme commanderait que vous choisissez plusieurs options, mais aussi qu'il y a un délai. Alors, de, au moins 12 mois alors, pour l'intégrer. Donc, cela veut dire que nous, qui sommes venus ici avec l'intention d'intégrer en 2024, et certainement, ce délai va être révisé pour que nous puissions commencer le plus tôt que possible en début de 2025. Et comme euh, euh, ma collègue de, du Tchad, peut-être que je vais laisser la parole aussi à la, au président du GTCV de la Guinée, qui est aussi à son premier atelier dans cette fonction parce qu'il vient d'être installé il y a de cela seulement trois mois pour qu'il puisse aussi prononcer un mot. Je vous remercie. Bonjour à tous. Comme mon collègue du Tchad c'est mon premier atelier sur Uh, ce genre de formation. Je pense que l'atelier, pour moi, j'ai atteint mes objectifs uh, à 100%. L'objectif que le GTG, GTCV Guinée se fixait, c'est, à l'issue de cet atelier, savoir les procédures de validation et comment rédiger une note de recommandation au ministère de la Santé pour l'introduction des vaccins. Nous avons eu la chance de rencontrer tous les partenaires ici, comme l'a dit le coordinateur national, le Père en Guinée. Et je sais que les différentes présentations de l'OMS, de l'UNICEF et des autres présentateurs nous ont permis de mesurer l'ampleur de la tâche qui nous attend. Et recommander quelque chose, c'est une chose, mais il faut savoir les tenants et aboutissants pour les recommandations que nous allons faire. Dans les euh, mois et années à venir, euh, je pense que nous avons eu également l'opportunité de rencontrer euh, l'École sud-africaine qui offre une opportunité immense aux différents membres des GTZV pour leur donner la formation adéquate qu'il faut afin qu'ils puissent exercer du mieux que nous pouvons nos tâches et réaliser nos fonctions. Je profite de l'opportunité pour remercier. Très sincèrement, les organisateurs de cet atelier, je veux dire la Fondation Mérieux, la République Sœur du Tchad qui nous a accueillis ici avec beaucoup de bonté et à tous les participants. Et nous pensons que ce qui est important à retenir, il faut euh, continuer à bâtir, à. à... Qu'est-ce que je veux dire Il faut continuer à, à faire un réseau des différents GTCV pour qu'on puisse échanger nos expériences, avoir les défis des uns et des autres pour qu'on puisse bénéficier de l'expérience des uns et des autres. Je pense que ça a été un atelier réussi. Je pars d'ici très satisfait. Et le plus important également, c'est de faire un feedback, ce qu'on appelle la restitution à nos différents collègues qui n'ont pas eu la chance de venir ici. Je vous remercie pour votre attention.